fait, ça c'était que le déjeuner. Et maintenant c'est l'heure du dîner. Mmh. Et là, il y a une boulette de riz. Oh, le bon riz. Alors là, on est à la forêt des singes. Alors, on va aller voir les singes, justement. Regardez. Il se met bien, lui. Petit massage au calme. Voilà, tranquille. Oh, il se régale. Petit massage, tranquille. Pas le regarder dans les yeux, te carotte tes affaires, pas lui manger, donner à manger. Ben ouais, pas toucher le petit. Hein. Encore une statue. Oh. No Pérez. Pérez de singe. Massage. Hop hop. Thank you.
pas là tout à l'heure. Ça, c'est la police des singes. Les canins qui passent, coup de front. Comme aux pompiers. Ça va, sans déc... sans déconner. Oh, shit. Wow, guet-apens. Oh, il y a carotte la bouteille. Wow, c'est guet-apens ici. Guet-apens. Wow, c'est les pickpockets là. Direct. Ouf, grosse sieste. Grosse sieste. Ah, ils ont pas l'air très gentils quand même, quand ils s'approchent près de toi là. Sur la rambarde là. Alors plus la visite avance, et au début j'étais content, je voyais des singes, j'étais marrant, mais maintenant j'ai l'impression de voir des pickpockets partout. Ils arrivent comme ça, au début tu regardes, ils font pitié. Je vais monter dessus lui. Bon. Et après ils sautent dessus. Bon, ils essayent de te sauter dessus.
c'est des pickpockets en fait. Ok, alors je vais vous montrer où c'est que j'ai trouvé le petit Airbnb qui est juste à côté de la forêt des singes. Alors hier je suis arrivé, c'était 1h30 du matin et je vous laisse imaginer dans la nuit totale, sans lumière, à quoi ça ressemblait. Pas mignon ici. Pas mignon là, hein, hein. 13 euros la nuit, accrochez-vous, vous ne trouverez pas mieux, du moins en France.